Bonjour, c'est Salut Kone. Je présente la nouvelle émission sur Djamba Civi, Djamba l'émission. Dans cette émission, vous pouvez voir un mini documentaire sur le préfet Moussa Tambéry. Suivi d'un journal présenté par Sana Diba. Et pour finir, un film intitulé L'autre de page. Et c'est parti pour Djamba l'émission 1. C'est Amadou Tambédou, je suis le préfet des études de l'Institut Djamba. L'Institut Djamba, c'est une structure mise en place par Bernard Lama, Jimmy Adjibo Bobo, Sayer Sek et Patrick Vieira, qui œuvre justement à l'insertion sociale des jeunes avec comme angle d'attaque le foot. J'ai connu Djambar à travers mes enfants, mes jumeaux, qui m'ont dit oui papa, il y a donc des tests qui s'organisent, donc une école de football qui est en train d'être mise en place, etc. J'ai vu à travers la presse donc un appel d'offres comme quoi Djambar recrutait des enseignants. Donc voilà, j'ai postulé. Et effectivement, après un entretien avec le jury qui s'est déroulé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, présidé par Mata Seck, donc, qui à l'époque était le doyen de la faculté de sciences, le choix a été porté sur ma modeste personne. Dans un premier temps, bon, j'étais enseignant créé à main, donc je gérais essentiellement les élèves du CM1, du cours moyen deuxième année. Donc voilà, donc je présentais les candidats au concours d'entrée en sixième, donc au CETECA de fin d'études moyennes. Bon, donc après 3 années, bon, j'étais toujours effectivement aussi membre du comité pédagogique. Donc nous avons travaillé et il y a de cela 4 ans, bon, nous avons reçu également d'autres groupes avec qui nous avons travaillé. C'était donc les Jean-Luc Muration, les Ludwig, etc. Nous avons bossé ensemble. Bon, quand ils ont quitté, voilà, la direction a estimé quand même que je pouvais effectivement prendre en charge cet aspect du fonctionnement de Djambar. Et effectivement, j'ai été mis à la tête de la structure, c'est-à-dire, je veux dire précisément, de l'école. Donc voilà, en qualité de préfet des études. Allez, en salle. C'est coordonner toutes les activités pédagogiques, donc toutes les activités scolaires. Donc bon, il y a beaucoup de choses. Il y a le bon déroulement des enseignements. Il y a donc, quand je dis bon déroulement des enseignements, il y a l'assiduité, la ponctualité des élèves, des professeurs. Il y a également, bon, sur le plan pédagogique, un certain suivi individuel des jeunes. Mais également, il y a un travail administratif sur l'autre registre. Par exemple, bon, là, je suis sur l'inscription des jeunes au brevet de fin d'études. Donc, je suis sur l'inscription des jeunes au CERFA, donc de fin d'études élémentaires. Il y a également le courrier, comme dans tout établissement, il y a un courrier administratif des pièces périodiques qu'il faut envoyer. Donc, vraiment, il y a un ensemble d'éléments que je suis aujourd'hui en train de coordonner. Les écoles, nous avons démarré, il y a des préalables au plan administratif, donc l'autorisation qu'il fallait obtenir du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale. Donc nous avons constitué le dossier et déposé auprès de l'autorité administrative et effectivement l'école a été autorisée. Donc il en a été ainsi avec le moyen secondaire. Nous avons travaillé, constitué le dossier,
y a eu une commission donc, qui est venue sur le terrain prospecter, faire la visite, l'inspection technique de nos locaux sur le plan administratif, sur le plan pédagogique. Et à ce niveau également, nous avons obtenu l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale. Donc, comme toutes les écoles, parce que Djambar aussi, les jeunes sont soumis à un même système d'évaluation que les autres. Donc c'est une école comme les autres écoles, du point de vue justement des programmes, des enseignements qui s'y déroulent. En dehors de quelques permanents, deux ou trois qui sont là, donc le reste, ce sont des enseignants qui sont dans l'administration et qui sont astreints à des tâches qui en priorité vraiment sont les tâches du lycée, sont les tâches de l'administration, les tâches de l'État. Donc c'est avec la plage horaire disponible qui leur reste, bon voilà que je concocte les emplois de temps pour arriver à mettre en place quelque chose. Ce qui n'est pas sans incidence quelquefois, je dirais sans impacter un tout petit peu quand même négativement sur effectivement le travail qui est en train de se faire. Mais on fait avec voilà ce que nous avons. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Sama donga dundal 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 ba mu neex la da xey don li nga neex soobe yalla dina ba e best na ñaan ba si si ayna la demi. Bonjour, bienvenue dans le journal télé, tout de suite les titres. Actualité au Sénégal, société, Amadou Toumani Touré, lauréat du prix Kebambay. Politique, en 11 de l'alternance, un appel à la manifestation avait été lancé pour Benno Tahoual pour le 19 mars. Sport, football, les Mourouas s'arment pour les compétitions africaines. Lutte sénégalaise, quel lendemain pour l'écurie de face. Actualité Djambar, politique. Des représentants de l'ambassade de France en visite à Djambar. Sport, les petits lions se préparent à Djambar. Le big match, 10e journée, championnat Ligue 2, victoire de Djambar. Commençons par le journal, par l'actualité du Sénégal. Le prix Kebambay, l'éthique sera remis le 16 avril prochain au général Amadou Toumani Touré du Mali par le chef de l'État au cours d'une cérémonie prévue au Théâtre National Daniel Sorano. Une initiative de la Fondation Kebambay, présidée par le magistrat Youssou Ndiaye, ancien président du Conseil constitutionnel et ministre d'État et ministre des Sports. On passe à la politique. La coalition Benno Tahoual Sénégal avait appelé à un bras de fer le 19 mars avec le pouvoir. Toutes les couches de la population ainsi que la coalition de Benno Siguil Sénégal ont été appelées à prolonger, élargir et amplifier les luttes et résistance le 19 mars 2011 sur toute l'étendue du Sénégal. On passe au sport. L'AS Touré Kounda a signé un accord de partenariat avec Sport Global, management dirigé par Gaël Maé, ce lundi 14 mars à Dakar. Ce partenariat nommé Marketing Match ne concernera que les matchs retour de la Coupe d'Afrique. Toujours dans le sport, la défaite subie par Gris Bordeaux devant Mbassène et un tournant dans la vie de l'écurie de face. Plus qu'une simple contre-performance, elle vient assombrir la carrière du troisième tigre de face qui pourrait y mettre fin prochainement. Actualité à Djambar. Politique. L'Institut Djambar a reçu la semaine dernière la visite de trois représentants de l'ambassade de France. Une visite des différents locaux et infrastructures a été effectuée accompagnée du président de l'Institut Djambar, M. Sersek. Lors de cette visite, les trois représentants ont pu voir l'évolution de ces infrastructures et s'informer sur les différents projets d'évolution du centre Djambar. Sport Djambar,
L'équipe nationale olympique du Sénégal est venue se préparer pendant une semaine à l'Institut Diambar en vue du match de qualification aux Jeux olympiques Londres 2012 qui se déroulera le 27 mars contre l'Angola. Cette préparation s'est effectuée en la présence du sélectionneur national Amara Traoré, venu pour superviser l'équipe olympique. Le sélectionneur de l'équipe nationale olympique et adjoint de l'équipe nationale Abdoulaye Sarr, ainsi que Hassim Soumaré, joueur de l'équipe nationale olympique et de Diambar, nous ont livré leurs impressions. Ici, nous sommes venus en préparation parce que vous savez que le 27 mars, l'équipe olympique du Sénégal, dans le cadre des JO Londres 2012, doit affronter l'Angola. Donc on était là avec le groupe local pour peaufiner encore notre préparation, faire des réglages, parce que depuis le mois de janvier, on est sur la brèche. On a fait avec ce groupe deux matchs en Algérie. Aujourd'hui, il fallait revoir la troupe après quelques matchs de championnat. Donc c'était des retrouvailles, une revue d'effectifs. Et je pense que dans l'ensemble, on a eu ce qu'on voulait dans ce cadre assez enchanteur de Diambar. C'est juste un énorme plaisir de côtoyer ceux qui sont en Europe. Ça te permet de te juger par rapport à eux. Et ils serviront d'exemple aussi pour mieux s'améliorer. Et ça peut aussi faire beaucoup d'ambiance dans le groupe, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe en Europe. Et ça peut nous arranger beaucoup. Samedi, coach Bouba et son équipe de Diambar ont brillamment battu Diambour par 2-1 et confortent sa place de leader avec 5 points sur les deuxièmes FC Thiès et Diambour. Tout de suite, l'analyse du coach. Bouba, match difficile, mais l'essentiel est fait, non? C'est bon? Ouais, l'essentiel est fait, comme tu dis, on prend 3 points qui vont être précieux. Et puis, même si on a fait une deuxième mi-temps difficile, mais on avait aussi de bonnes opportunités pour aggraver le score. Aussi, ça pouvait basculer aussi. Ils avaient quand même aussi de bonnes opportunités pour devenir au score. Je pense que la victoire allait mériter au bout, quoi. Après cette 10e journée, le président Sahir Seck nous a donné ses impressions sur le bon début de saison de Diambar. Monsieur le président, quels sont les objectifs de votre club? Écoutez, les objectifs de notre club sont dans ce championnat professionnel en Ligue 2. C'est de gagner tous les matchs qui nous sont présentés. Tous les matchs qu'on joue, on les joue pour les gagner. Et vous savez que la compétition est importante pour nous comme dernière étape de la formation de nos jeunes. Et on est à cheval entre la compétition et la formation. Mais plus la compétition est relevée, plus les enjeux sont importants, mieux nos jeunes sont formés. Alors, on ne sera pas là en train de dire on a comme objectif de monter en Ligue 1, on a comme objectif de gagner le championnat. Non, on a comme objectif à chaque match de faire progresser nos jeunes dans la compétition et donc, évidemment, de gagner chaque match. Alors maintenant, le championnat est encore long. Au tiers du championnat, on est pas mal. À 3-4 journées de la fin, en fonction de notre classement, s'il y a effectivement quelque chose à jouer, on sera effectivement à ce moment-là ambitieux pour aller le chercher. Vu que vous êtes premier du championnat de Ligue 2, quel conseil donnez-vous à vos joueurs? De prendre les matchs les uns après les autres, de ne pas tirer des plans sur la comète. Le championnat est long, on en est au tiers. Le championnat est un championnat de 30 journées. Pour le moment, nous en avons joué 10. Donc il y a encore 60 points à prendre. Et donc il est extrêmement long, on est encore potentiel relégable sur 60 points à prendre puisqu'il n'y a pas 60 points entre nous et le dernier. Donc je pense qu'il ne faut pas s'enflammer, qu'il ne faut pas tirer des plans sur la comète. J'observerai avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt le jour où Diambar perdra, puisque ça fait 10 jours qu'on ne perd pas et qu'on a l'habitude de ne pas perdre. Le jour où on perdra, parce que dans ce championnat ça va arriver, on verra comment l'équipe effectivement va réagir. Il faudra être extrêmement attentionné sur cette question-là. Et donc, voilà, il faut qu'on soit ambitieux,
qu'on prenne les matchs les uns après les autres, sans nous enflammer. Et puis bon, bah voilà, avec l'aide de Dieu, on devrait pouvoir y arriver. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt. C'est du Diallo, axe central, 14 ans. Allez. Voilà. Bachir Kam, axe central, j'ai 13 ans. Momadou Sirenia, milieu offensif, j'ai 14 ans. Papatan, des big boy, attaquant, 14 ans. Aujourd'hui là, on est très fatigué. Oui. Et Papa Tam nous a sauvés. Oui, il est trop fort quoi. C'est son grand but, c'est le but de l'année. Mais ce but là, c'est une mystique. Oui. Regarde comment il a fait. Grand but. Mais je vous rapproche. Allez, on y va, ça marche. Ok. Allez-y. Ah, ça a été la partie. Ah ouais. On est parti. J'espère que cette émission vous a bien plu. Merci et à bientôt.